Le pouvoir syrien tente de se disculper. Il a fourni des éléments aux inspecteurs de l'ONU afin de prouver qu'il n'avait pas utilisé d'armes chimiques et il en a profité pour attaquer les Occidentaux. La chose la plus dangereuse, c'est que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France encouragent les terroristes à utiliser des armes chimiques, a déclaré le vice-ministre syrien des Affaires étrangères. Cela veut dire que les terroristes risquent bientôt de mener des attaques chimiques contre les Américains et les Européens. Dans le langage du régime syrien, tous les rebelles sont des terroristes, qu'ils soient islamistes ou pas.